Dans les territoires d'outre-mer, et particulièrement en Polynésie et dans 6 collectivités d'outre-mer, nous avons ce qu'on appelle l'ITR, l'indemnité temporaire de retraite, qui est versée actuellement sous forme d'un pécule, d'un forfait annuel. Alors l'ITR que l'on connaît actuellement, depuis 2018, a commencé à baisser de 10% par an, soit 800 euros de moins par an, pour arriver à zéro en 2028. Les revendications sont simples. Nous avons demandé, via nos parlementaires et une mission parlementaire, le gel à 8, 10 ou 12 000 euros par an, qui permettrait de lisser les inégalités intergénérationnelles concernant la retraite.